Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Vous entendez les moustiques juste derrière, c'est mercredi. Et actuellement, ils sont en train de se chamailler pour un genre de chantier en cap-plat avec des tractopelles ou je ne sais quoi. Non, mais c'est moi qui prends ce tractopelle. Mais Oli, pourquoi tu casses les cap-plats? Puis dans tout ça, il y a Oli qui parle pas, mais qui arrache ici ou là des constructions ou je ne sais quoi. Nous sommes donc mercredi matin, les artisans sont déjà à l'œuvre, Père Dadou est déjà au boulot et moi je suis avec les deux mini donc depuis ce matin. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé, je dois dire, puisque on doit aller à la pharmacie déposer mes piqûres. J'ai pris mes traitements hier. On doit aller récupérer des colis Vinted. On doit aller échanger des choses que ma belle-maman nous a offert, enfin, a offert au petit chez Kiabi, mais les tailles ne vont pas. Donc, j'ai 2-3 trucs à changer. Il faut que j'aille à la banque et on doit également aller chez le roi Merlin pour acheter... L'autre, elle m'a mis des animaux de la savane hippopotame ou je ne sais quoi. Bref, pour aller acheter un vitrificateur pour l'escalier, pour, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, on va pas tarder à partir parce qu'il est 9h45 déjà. Et autant vous dire que ça va être costaud et sport. Les enfants sont contents hein, de venir avec moi. Mais moi, je me dis, ok, bon, ben écoutez, on va se relever les manches, on va s'accrocher et ça va le faire. On va faire tout ce petit joyeux programme avec les deux mini. Mais voilà, Léo, il est très, très content parce qu'il adore le roi Merlin. Très étonnant, hein, vous me direz, avec sa passion du chantier. Mais voilà, bon, si vous entendez des bruitages chelous, c'est Oli qui est en train de me mettre ses petits livres musicaux, enfin sonores et tout. Voilà, allez, bon, c'est parti! Bon, je pense que j'ai trouvé le vitrificateur. J'espère que c'est ça. Nous sommes allés chez Kiabi, après chez le roi Merlin, et j'ai échangé donc les trois petits trucs que j'avais à échanger et j'ai repris plein d'autres choses. Voilà, c'est le problème. Je vous montre ça en rentrant. Pour l'heure, on doit passer à la banque. Je vais aller mettre de l'essence et bref, deux trois petits trucs comme ça et ensuite on rentre manger à la maison. Bon, nous sommes de retour à la maison. Pour ce midi, c'est Picard et on va manger des coquillettes façon risotto avec du jambon fumé et tout. Cette petite poêlée est succulente parce que flemme de faire à manger, pas d'idée et comme d'hab, pas non plus les compétences culinaires adéquates. Donc voilà, ça sera Picard ce midi et ça sera très très bien. Bon, le temps que notre petite poêlée, enfin même pas poêlée, petit risotto, petite coquillette de chez Picard sont en train de chauffer, je me suis dit que j'allais vous montrer du coup ce que j'ai échangé chez Kiabi, ce que j'ai ramené. Enfin, ce que j'ai ramené, je vais pas vous montrer, c'était des t-shirts. Mais en fait, j'avais l'impression que le 4 ans avait disparu de chez Kiabi et qu'il n'y avait plus du tout de 4 ans ou que tous les enfants faisaient du 4 ans parce que j'ai galéré. C'est peut-être pour ça que ma belle-mère aussi avait pris des tailles plus grandes, mais vraiment ça faisait très très grand pour Léo. Et du coup j'ai échangé certains trucs, notamment deux t-shirts qui étaient en 5 ans, qui faisaient vraiment une robe pour Léo, ça lui tombait jusqu'au genou. Et à Oli, il y avait un pantalon qui en revanche était en 24 mois et qui lui serrait déjà pas mal. Je trouvais qu'il était déjà de base en l'ouvrant qui taillait un peu petit, alors que Oli fait vraiment la taille en général, genre là elle met 18 à 18 mois, cet été elle mettra du 24 puisqu'elle aura 24 mois. Pour cette demoiselle Oli, je lui ai repris deux leggings, un en 18 mois, l'autre en 24 mois, donc ça n'a rien à voir avec le petit pantalon que j'ai échangé. Je fais la remarque cette semaine qu'il fallait que je lui en rachète et il coûte 2,50€ chez Kiabi, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai échangé le petit pantalon, mais l'autre, c'est en fait, une fois que vous terminez le 24 chez Kiabi, c'est 36. Et pour le coup, 36, ça me paraissait, 36 mois, ça me paraissait vraiment très très grand. Donc du coup, j'ai pris un petit lot de deux petits leggings. Elle manquait de leggings pour cet été, donc un beige et un taupe comme ça. Et bah, du coup, ça lui fera deux bas pour le prix d'un. Et en même temps, j'en ai profité pour lui reprendre un... C'est pas un lot, mais c'était le 2 acheté, le troisième offert, je crois, un truc comme ça. J'ai pris donc ce petit t-shirt là qui est vert avec de petites fleurs et les petits froufrous sur les manches. Je lui ai pris le même en rouge, voilà, parce que je trouve que le rouge ça lui va extrêmement bien. Et en tête de gondole, je lui avais trouvé celui-ci, mais je pense que voilà, je n'ai pas pris le bon puisque celui-ci a comme de la broderie anglaise sur les manches. Et je pense que du coup, il n'est pas rentré dans le truc de acheter le troisième offert, donc j'ai dû en acheter deux, mais je n'ai pas eu le troisième offert.
On adore. Et ensuite, pour Nounou, les t-shirts étaient trop grands. Donc j'en ai repris en taille 4 ans, tout basique. Hein. Donc un rayé camel, un gris foncé. Mais celui-ci, je viens de voir qu'il était manche longue en fait. Et je lui ai pris ce petit jean. Regardez, ça va être trop chou, je trouve. En taille 4 ans. J'espère que ça va lui aller, il a même pas essayé. Mais genre, limite destroy et tout comme ça. J'aime trop. Je pense que ça va être canon. Enfin, perso, j'ai trop hâte de voir. Bon, les amis, il est 14h30. Je viens de... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé du linge, j'ai payé mon URSSAF. Je me sens beaucoup plus légère, bizarrement. J'ai fait aussi le point avec les artisans pour la cage d'escalier et tout, parce que c'est nous qui sommes en charge de ça. Et j'avais des petites questions techniques. Et du coup, comme c'est des pros, bah, j'en ai profité pour leur poser mes fameuses questions. Voilà, voilà. Donc là, ce que je vais faire, les petits sont à la sieste. Je vais en profiter pour monter là-haut et faire le métrage en fait de chaque pièce pour avoir la longueur de plinthe qu'il nous faut puisque bah, va falloir qu'on commande le parquet et les plinthes. Donc bah, du coup je vais me charger de ça maintenant pendant qu'ils dorment et puis ça me permettra d'avoir vraiment un plan vraiment métré, ce qui sera plus pratique pour imaginer l'espace, l'ameublement, etc. Et du coup je pense que c'est le meilleur truc à faire et de toute façon je dois le faire pour savoir combien de longueur de plinthe il nous faut pour pouvoir ensuite les commander. Voilà, sachez que quand vous rénovez une maison, quand vous refaites du parquet et tout, les plinthes, les gars, c'est un truc qui coûte extrêmement cher. Limite, ça coûte plus cher que le parquet. Je trouve que les plinthes, c'est dans l'abus, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, les plinthes, c'est très très cher. Vous me croyez? J'ai réussi à casser le mètre. Bon, voilà, je pense que là on a tout. Et puis bah, le mètre, je l'ai cassé. La lumière est hideuse, il est 20h50, mais je vous reprends que maintenant parce que bah, après avoir fait mon maîtrise et tout ça tout à l'heure, j'ai été réveiller les enfants, on est parti à la danse, on a été récupérer des colis Vinted, ensuite on est rentré, on a joué avec papa qui lui était rentré plus tôt, ensuite on a étendu les draps avec David et on a fait comme ça au-dessus des enfants, ils sont partis en forêt, c'était tellement drôle, et ensuite bah, tunnel du soir, le bain, ranger les chambres, faire à manger, on a mangé un roast beef avec du riz. Et ensuite, pendant que Père Dadou est bien débarrassé tout ça, moi, j'étais en train de coucher les enfants, tout ça, tout ça. Et ça y est, c'est le calme dans la maison. David vient de descendre jouer à la play, je crois. Et puis, moi, j'ai du boulot ce soir, donc voilà, je vais rester un petit temps dans le salon à pianoter sur mon ordinateur pour eh ben, faire du montage. Mais avant ça, les petits loups, je vous ai dit qu'on avait été récupérer des colis Vinted et je me suis dit que j'allais vous montrer. Ça fait beaucoup de trucs d'enfants, là, d'achats d'enfants que je vous montre en ce moment. Mais en fait, c'est vrai que j'avais besoin de renouveler les garde-robes pour la saison qui arrive. Et j'achète pas mal, voire beaucoup sur Vinted en ce moment. Alors beaucoup chez Kiabi, c'est vrai, mais également énormément sur Vinted. Là, j'ai reçu 3 colis et j'en attends 4. 4 ou 3, 3 ou 4, je sais plus. Bon bref, peu importe, je vous montrerai ça une fois que je les aurai récupérés. Pour l'heure, j'en ai quand même 3 à vous montrer et les 3 sont pour Oli. A commencer par, non mais, mignonnerie puissance 1000, je vais dire ça à chaque fois que je vais ouvrir un truc, mais des petites sandalettes, regardez-moi ça, est-ce que c'est pas trop choupinou cette affaire? Donc, 2 petites sandalettes de la marque Lefties, je connaissais pas, en pointure 20, elles sont complètement neuves, hein. La semelle vraiment, l'enfant n'a jamais marché avec, et je les ai payé 2 euros, merci, je crois que ça m'est revenu à 4 euros et quelques avec les frais de port. Donc voilà, je me suis dit que pour la fin du printemps et le début de l'été, eh bien ces petites sandalettes raviront parfaitement le petit pied, enfin les petits pieds de ma petite Oli. Le colis suivant, c'est celui-ci dans une genre d'enveloppe papier, je sais pas trop par où ouvrir ce truc, comme par hasard je ne vais pas y arriver. Voilà. C'est un petit maillot de bain qui est tout neuf que j'ai pris pour Oli pour cet été parce que bah, elle n'a pas de maillot de bain en taille 2 ans. Et en fait, j'ai pas encore fait le tri dans les vêtements de Léo en 24 mois, mais à savoir que Léo a eu lui 2 ans
au mois de décembre et au lit à 2 ans en plein été. Donc j'ai du mal parfois à trouver vraiment des vêtements adéquats dans les caisses que j'ai gardées de Léo. J'arrive à garder quelques petits trucs mais je peux pas tout réutiliser clairement. Et là pour elle, bah, je n'avais pas de maillot de bain, donc j'ai pris un petit maillot. Alors la couleur est peut-être un peu biaisée par la lumière qui est vraiment pas top, mais c'est un petit maillot de pièces qui est rouge. Il est vraiment rouge brique avec plein de petits froufrous comme ça, je trouve ça tellement chou. Et vous avez le petit haut qui est comme ceci, une genre de petite brassière qui couvre un petit peu le ventre avec un petit nœud juste là sur l'une des bretelles et toujours dans cette matière un petit peu gaufrée comme ça, je trouve ça très très agréable. Donc voilà, un petit maillot de bain de pièces pour Maoli pour cet été. Et enfin le dernier colis, c'est un lot de shorts normalement. Je vous dis, j'ai passé tellement de commandes, je suis un peu perdue dans ce que j'ai déjà reçu, ce que j'ai pas encore reçu, ce qui est en cours d'acheminement, etc. Pam l'a mis dans un petit plastique. Alors ce lot de shorts, je l'ai payé très exactement, je vais vous dire, parce que franchement j'ai fait une super affaire. Je l'ai payé 2 euros, voilà, je l'ai payé 2 euros et il y a 5 shorts à l'intérieur qui sont en très bon état. En tout cas, ils semblent être en très bon état. Alors, Oli avait déjà ce lot-là l'année dernière de chez Kiabi, donc un bleu marine et un bleu ciel avec de petites fleurs au cœur rouge. Bon, voilà, c'est des petits shorts tout simples, hein, comme ça, avec un petit nœud. Et en effet, ils sont en parfait état. J'ai tout pris en 24 mois. Hein. Il y en a un petit peu, quelle couleur je dirais, ça, rouge corail, pareil, avec un petit nœud. Et cette fois-ci, on a un autre qui est un peu côtelé, comme ça, qui est plus rose, mais encore une fois, avec la lumière, vous voyez pas la bonne couleur, je pense. On en a un quatrième qui est violine bleue, comme ça, j'adore la couleur, je trouve ça tellement choupinou avec un petit haut blanc. Un petit peu froufrou, là, un petit peu froufrou, un petit peu... voilà, vous avez compris l'idée, en bas au niveau des cuisses et toujours dans une matière un petit peu côtelée. Et ceux-là, ce sont des Kiabi aussi, hein, comme le rose précédent. J'ai un petit peu zozoté en disant précédent. Et pour finir, le dernier est un, quelle marque, je ne sais pas puisque l'étiquette est coupée, mais c'est un petit short blanc comme ça avec des petits pois de couleur pastel et des petits froufrous également sur le bas. Voilà, avec un petit lien pour resserrer la taille, je le trouve trop choupinou. Voilà pour ce qui est du lot de 5 shorts. Comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai payé 2 euros. Franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver pour cet été. Et voilà, pour mes petits achats Vinted que j'ai pu récupérer aujourd'hui, donc je suis très contente. Pour l'heure les amis, je suis désolée, je crois qu'aujourd'hui j'ai pas énormément sorti ma caméra, mais c'est vrai que c'était le mercredi, et le mercredi, eh bien maman est toujours très très sollicitée, et en plus avec les travaux, tout ça, ça fait beaucoup, donc voilà, je vais clôturer le vlog maintenant, parce que j'ai pas mal de boulot ce soir qui m'attend, et il est bientôt 21h, donc il est l'heure pour moi de m'y mettre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous retrouve très vite dans de prochaines aventures, avec tout ça là derrière qui va continuer, avec peut-être la préparation de notre voyage vu que je pars avec les enfants. Voilà, je sais pas trop quand est-ce que je ressortirai ma caméra, mais en tout cas je vous donne rendez-vous très prochainement. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.